Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui les amis, aujourd'hui je vais vous donner deux astuces pour débloquer rapidement l'HVK30. Mais avant de commencer la vidéo, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer juste en bas à droite sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Et les amis, vous avez pas mal de défis à réaliser pour débloquer l'HVK30 isométrique ou simplement l'HVK30. Alors pour les défis où vous devez jouer avec une arme en particulier ou avec un accessoire en particulier, les amis, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de jouer. Allez-y, foncez. Mais les amis, pour le défi où vous devez tuer 20 ennemis au corps à corps, ce que je vous conseille c'est d'utiliser cette classe, ou plutôt ses atouts les amis. Alors pour le premier atout les amis, je vous conseille soit rôdeur, soit poids léger. Tout simplement, vous allez vous déplacer très vite et au corps à corps, il faut être rapide. Pour le deuxième atout, je vous conseille de jouer avec Ghost les amis. Simplement parce que les ennemis utilisent la plupart du temps un drone, et pour les surprendre par derrière avec notre couteau, on est obligé d'être invisible face au drone. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi pas directement abattre le drone, comme ça, il n'y a pas de problème. Et non les amis, il faut pas l'abattre. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de drone, l'ennemi est toujours sur ses gardes. Alors que s'il a un drone et qu'il ne voit personne sur la carte à côté de lui, il se sent tranquille. Et c'est à ce moment précis qu'on intervient avec notre couteau et on le surprend. Et le dernier atout les amis qui va avec le précédent, c'est silence de mort. Tout simplement, l'ennemi ne doit pas vous entendre. Et comme vous l'avez vu les amis, j'ai mis pic de gravité comme atout, mais je vous conseille le bouclier. Tout simplement que vous pouvez éblouir un ou plusieurs ennemis pour aller les cutter. J'utilise aussi la grenade paralysante. Tout simplement, en paralysant l'ennemi, j'aurai plus de facilité à le cutter. Et les amis, je vous assure qu'avec tous les conseils que je vous ai donnés, vous réussirez très vite ce petit défi de tuer 20 personnes au corps à corps. Et la seconde difficulté que vous rencontrez lors de ces défis pour débloquer l'HVK30 les amis, c'est tout simplement tuer des ennemis avec la tourelle auto. Alors si c'est compliqué pour vous de débloquer une tourelle auto, j'ai fait deux vidéos reprenant deux grosses méthodes pour débloquer les grosses séries de points. Allez les voir, vous les débloquerez très facilement. Et pour les voir, c'est très simple les amis, vous avez juste à cliquer sur le bouton juste en haut à droite. Et maintenant que vous savez comment débloquer une tourelle auto facilement les amis, il faut être stratégique. Alors je m'explique. Ce défi consiste à tuer 20 ennemis avec la tourelle auto dans une partie de points stratégiques. Et là, il faut réfléchir à où placer sa tourelle auto pour qu'elle fasse le plus de kills. Alors vous avez deux possibilités les amis. La première consiste à placer la tourelle auto directement sur le point stratégique. C'est-à-dire vous y êtes et vous le placez. Comme ça, les ennemis qui rentrent se font tuer facilement. Et là, vous vous demandez sûrement, oui, mais c'est facile si on est sur le point stratégique, mais imagine qu'on perd, qu'est-ce qu'on fait? Alors là les amis, je vous invite à cliquer juste en haut à droite, je vous ai dit toutes les stratégies pour gagner en point stratégique. Et après avoir vu cette vidéo les amis, plus question de perdre en point stratégique. Et maintenant que vous maîtrisez le jeu point stratégique, le deuxième conseil pour placer sa tourelle auto, c'est franchement les amis, allez la placer au prochain point stratégique. Simplement si l'ennemi a le point stratégique maintenant, c'est pas grave. Allez dans le prochain et placez votre tourelle, c'est-à-dire que lorsqu'il va arriver, il va se faire tuer et vous allez gagner dans le compteur des petits points. Voilà les amis, si vous suivez tous mes conseils, l'HVK30 est bientôt dans vos mains. Et en attendant les amis, si la vidéo vous a plu, laissez un gros pouce en l'air, partagez la vidéo au maximum et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.